sous cet arbre, je rêve ma vie. C'est d'aller quand on a besoin de décrocher de la matrice, décrocher de la société, décrocher des réseaux sociaux, et d'aller dans une forêt et juste se mettre sous un arbre et de rêver sa vie et de sentir la beauté de la terre-mère, d'une forêt, la reconnexion avec la nature. L'arbre est omniprésent sur cet album. Il est sur la pochette, il est dans les chansons, on parle des racines, l'ancrage. L'être humain en 2024, qui va être ancré à son essence, à sa divinité et à l'écoute de son âme, est capable de grandir. Et l'arbre est la métaphore visuelle pour grandir. Avec toute sa magnificence, avec ses saisons, ses multicolores à l'automne, et finalement, son état de recueil l'hiver quand il perd ses feuilles, pour ensuite renaître au printemps. On voit finalement que l'arbre est la vision parfaite de la renaissance dans toutes les sphères de son être. Et si en miroitant l'arbre, en étant autant ancré, aussi en expansion vers le ciel, qu'on peut ensuite renaître en beauté, en clarté et en joie. Ah, moi, c'est toujours, ça représente le tout, le grand tout, parce que l'arbre, ça représente l'humain, comment il devrait être dans sa vie. Puis autant j'aspire toujours à aller plus haut, plus spirituel, puis aller vers les nuages finalement, vers le grand ciel, autant je suis bien enracinée, puis les deux pieds sur terre, puis je pense que c'est ça qui a fait aussi la force d'écouter ton corps, que c'est qu'on a un enseignement spirituel, mais tout en étant très branché sur la terre, puis je trouve que c'est ça que tu fais aussi avec ta musique. Symboliquement, l'arbre fait référence à qui nous sommes réellement dans toutes les dimensions de notre être. Ce que l'on voit de nous comme la pointe de l'iceberg, on pourrait dire que c'est le feuillage de l'arbre. Il y a des feuillages qui sont verts, qui sont très fournis, et puis d'autres qui perdent leurs feuilles. Il y a aussi le tronc, qui est la colonne vertébrale, qui est le mental, l'émotionnel. Il y a aussi les racines, qui sont notre être spirituel, qui vont très profond dans la terre et dans les autres plans dimensionnels. Donc, sous cet arbre fait référence à l'histoire d'un homme. Le lien aussi entre l'humain et la nature. Nous faisons partie de la nature. Sous cet arbre est une chanson véritablement initiatique. Il y a beaucoup de profondeur puisque à la fin, nous redevenons cendres et poussière, poussière d'étoiles. Donc on retourne à l'origine des choses.